flash spécial, ça vient de tomber. D'après mes sources dans la police, les démons seraient les suspects numéro 1 de l'explosion à l'hôtel de ville. Si c'est bien le cas, je retire ce que j'ai dit sur l'innocence de Spider-Man dans cette affaire. Il serait, au minimum, partiellement responsable. Car l'élimination brutale de Wilson Fisk a créé un appel d'air dans lequel les démons se sont engouffrés, telle une ignoble toxine. Les actions ont des conséquences, les amis. Chose que Spider-Man n'a jamais comprise. On nous signale une bombe. Le signalement a eu lieu près de Milton North. Terminé. Spider-Man, Dieu merci. Les démons ont truffé le bâtiment d'explosifs, mais on peut pas s'approcher. Dites-moi ce que je dois faire, je suis là pour vous aider. On a localisé l'engin principal. Si vous parvenez à le neutraliser, il vous filera une clé d'armement. Vous pourrez vous en servir pour trouver et désamorcer les unités secondaires. Pigé, tenez vos hommes à l'écart. Je vous appelle quand c'est bon. C'est l'engin principal, maintenant. C'est pas le moment d'avoir les mains moites. Super, désamorcé. Oh non, c'était un piège.
Les autres bombes sont armées. Je dois les désactiver avant qu'elles n'explosent. Dans le camion. Je dois la désamorcer. Des renforts. Faut au moins reconnaître que les démons favorisent l'embauche. Parade mortelle interceptée. Ah, un pigeon. Ah, c'est parti. Non, parce que il y a le bon et le mauvais chasseur. J'arrive pas à croire que je viens de dire ça. Spider-Man voltigeait exprès à travers des volutes de pollution. Est-ce qu'on fait ça quand on est sain d'esprit? Je vais vous dire ce qui se trame, à mon avis. Quand j'étais dans la fleur de l'âge, les délinquants juvéniles sniffaient de la colle pour planer. Connaissant la moralité douteuse de Spider-Man et son goût pour les sensations fortes, je pense qu'il y a effectivement un parallèle à dresser. Mais inhaler des substances toxiques, ça endommage le cerveau, ce qui expliquerait bien des choses sur Spider-Man. Il virevolte dans la ville, défoncé au smog. Encore une caméra. La cat a l'air de bien s'en sortir. Oh, pauvre Spidey. Je sais que je t'ai déçu quand j'ai replongé, mais c'était dommage de gâcher un tel talent. Ah, je dirais qu'ils vendent des vins d'exception ici. Ça se diversifie. Il faut que j'essaie de prendre une longueur d'avance. À toutes les unités, des terroristes masqués ont pris le contrôle d'un bus de ville. On a besoin de renforts à Times Square. Terminé. Ah!
plus de touristes en otage. C'est pas une visite qu'ils sont prêts d'oublier. Qui braque un véhicule blindé? Ça m'étonnerait que ce soit pour financer un... Messieurs, on ne force pas les distributeurs de billets. D'ailleurs, j'en ai pas un. Braquer un fourgon blindé, c'est une chose. Mettre des vies en danger, c'en est une autre. Je dois arrêter ces démons. Un chantier de fisc, et leur équipement est couvert de poussière. C'est juste une façade? Je crois, ouais. Je vais aller voir ça de plus près. Je croyais qu'il était pote avec le maire. Ils travaillaient ensemble, mais le boss lui a jamais fait confiance. Faut croire qu'il avait raison. Si j'en crois les rumeurs, il va mieux d'aller voir. Thank you.
pas. Y'en a d'autres? Ah, je regrette, mais l'offre avec un donut gratuit vient d'expirer. On ne peut pas le laisser faire. Wow, calmez-vous. La période des soldes, c'est pas avant début janvier. Spider-Man, ils ont réceptionné assez de ciment sur ce chantier pour construire deux gratte-ciel. Attendez, je vais deviner. Ils cachent de la drogue dans les sacs de ciment? Je crois bien. On aura besoin d'un motif valable pour accéder au chantier et confirmer tout ça. M'en occupe. Fumez-le! Bon, y'en a plus, y'en a encore. Poussez pas, tout le monde aura son câlin. Je vous préviens, je mets mes toiles où je veux, et c'est souvent dans la gueule. Capitaine, les hommes de Fisk et tous les motifs valables dont vous aurez besoin vous attendent bien sagement. Bravo. Fisk croit tout pouvoir gérer depuis sa cellule, mais il va se rendre compte que les relations à distance sont souvent vouées à l'échec. Il y a peu, les démons ont commis un acte terroriste atroce, en prenant un bus touristique et ses passagers en otage. Nous avons avec nous l'un de ces otages, Madame Packer, d'Edina, dans le Minnesota. Que s'est-il passé, Madame? Eh bien, ces horribles hommes masqués sont montés dans le bus en brandissant des armes et nous ont pris en otage. Je pensais plus jamais revoir mes enfants. Ensuite, la police nous a sauvés, avec Spider-Man, bien sûr. Il a été si courageux. Madame Packer, je suis ravi que vous soyez sauvée, et ravi d'avoir l'occasion de vous éclairer au sujet de Spider-Man. Vous n'êtes pas d'ici, vous ignorez donc le danger qu'il représente. Mais il nous a sauvés, mon mari et moi. Essayez de réfléchir, avez-vous ce genre de crime chez vous, à Edina? Oh, certainement pas. Et avez-vous Spider-Man à Edina? Non.
ce n'est pas une coïncidence. Ne me remerciez pas, Madame Packer. Je considère qu'il est de mon devoir de vous ouvrir les yeux. Pigeon ciblé. Ah ! Faut que je le rattrape ! Pardon ! Spider-Man, la volière se remplit. Rosa vient de rejoindre ses frères et sœurs au bercail. Content de vous aider. Vous les connaissez bien, ces petites bêtes, on dirait. Ça avance. Sandra les a toujours connues mieux que moi, bien sûr. Sandra ? Oh, ma femme. Eh bien, félicitez Sandra pour ses oiseaux. Oh oui, d'accord, Spider-Man. Merci encore. Et s'il vous plaît, continuez de chercher. Les démons sont plus dangereux que Fisk l'a jamais été. Les enfants, puisque vous n'êtes pas gentils, je vous confisque vos jouets qui font bobo. Les démons n'ont pas l'air de se calmer. Qu'est-ce qu'ils ont derrière la tête ? Rien de tel qu'une menace masquée pour nous rassembler. Les démons ont placé une bombe dans un des véhicules. Je dois les arrêter. Il y a des moyens plus faciles pour passer au JT, les copains.
Je peux aussi jouer aux gendarmes et aux voleurs. Livraison de vilain. Il y a une bombe dans le camion. Je dois l'éloigner des civils. Encore des démons ? Et vous savez que c'est dur de s'occuper de tout le monde individuellement ? Ces démons ont sûrement une assurance tout risque de fou furieux. Était juste. Cet endroit grouille de démons. Je dois me débarrasser d'eux. Je ferai du repérage après. Ok, le compte est bon. Une serrure haute sécurité. C'est plus courant dans les banques que dans les centres de tri. Je pourrais peut-être trouver d'où vient l'alimentation. Je devrais pouvoir contourner le circuit. Il me faut mes toiles électriques. Bon, au moins ça marche. Et on dirait que les circuits ont besoin d'un peu plus de jus. Je
Je dois trouver une boîte de dérivation. Si j'étais une boîte de dérivation, où est-ce que je peux cacher? Et voilà. Le circuit a l'air encore stable. Il y a peut-être une autre boîte de dérivation dans le coin. Trouvé. On y est presque. Encore une et ça devrait être bon. Et voilà! Waouh. Pas mal de matos high-tech. Peut-être que je pourrais recycler tout ça pour m'en faire des armes. Ça doit être là qu'il compte frapper. Attends. C'est le bureau de campagne d'Osborne. Tous les itinéraires partent de la même adresse. Explosifs du chantier de Fisk. Ça vient de l'armurerie de Fisk. Des camions piégés? C'est dingue! C'était pas une guerre de gang. Les démons n'ont volé Fisk que pour s'en prendre à Osborne. Salut, t'as trouvé Lee? Non. Mais t'avais raison. Lee utilise cet endroit comme planque pour les démons. Il y a des bombes, des armes. Oh, c'est pas vrai. Et on dirait qu'il prépare une autre attaque. Cette fois, contre le bureau de campagne du maire. Lee doit avoir une dent contre Norman Osborn. J'ai trouvé une adresse. Je crois que c'est leur base d'opération. Si je me dépêche, je devrais pouvoir les arrêter. Sois prudent. Yuri, c'est moi. Faites vite, mon chef m'attend pour me passer un savon. Martin Lee et les démons préparent une nouvelle attaque. Cette fois contre le bureau de campagne de Norman Osborn. Vous êtes sûr? Parce qu'on a eu pas mal de fausses pistes cette semaine. Faites-moi confiance. Je vous envoie l'adresse d'un centre de tri. Vous y trouverez toutes les preuves dont vous aurez besoin. Entendu. Je vais faire évacuer ce bureau de campagne. Mais si je fais ça pour rien, vous aurez mon licenciement sur la conscience.